nous aimerions vous faire découvrir en détail les fonctions CV de la MPCX. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la MPCX pour piloter des équipements modulaires. Nous allons commencer par les bases, puis passer à des applications plus ésotériques. Chacun des 8 ports CV en jack 3,5 mm avec une tension continue positive de 0,5 V peuvent être configurés de multiples façons. Si vous souhaitez créer une voix monophonique standard de type East Coast, vous constaterez que la MPCX s'en chargera admirablement. Nous allons donc commencer par là. La création de ce type de voix n'était pas une priorité pour moi lorsque j'assemblais mon système. On va donc se contenter de ce que je dispose. Cela suffira pour parvenir à nos fins. Pour cet exemple, j'utiliserai un oscillateur, une enveloppe, des VCA, un mixeur et une pédale filtre contrôlable en CV. J'utilise un Max 25 aujourd'hui comme contrôleur. Vous pouvez utiliser n'importe quel clavier à votre disposition ou simplement jouer sur les pads. La MPCX dispose de deux entrées MIDI, 5 broches ainsi qu'une entrée MIDI via USB. Nous allons commencer par une piste CV. Pour créer une piste CV, cliquez ici sur l'icône CV. Une piste CV possède jusqu'à 4 attributs câblés que vous pouvez activer si vous le souhaitez. CV qui est de 1 volt par octave, Gate qui est élevé lorsque vous appuyez sur une touche ou un pad, Mode Wheel et Velocity qui sont principalement destinés à mapper les contrôleurs d'un clavier standard pour contrôler la tension. Bien sûr, vous êtes libre de les utiliser à votre guise ou pas du tout. Vous pouvez par exemple créer 8 pistes CV qui utilisent uniquement l'attribut Pitch. Ici, j'ai le port CV configuré pour en sortir un. Il contrôle mon oscillateur. Encore une fois, le CV est de 0 à 5 volts, donc nous obtiendrons un contrôle précis sur 5 octaves. Sur la MPCX, les notes utilisables correspondent aux pads C5 à G1. Les notes jouées en dehors de la gamme des 5 octaves sont arrondies aux notes les plus hautes ou les plus basses disponibles. Le mode Pad Perform est un autre moyen excellent d'utiliser les pads pour jouer sur les tonalités prédéfinies. Le port Gate est affecté à CV2. Son comportement est comme vous pouvez vous y attendre, 5 volts pour note on et 0 volts pour note off. Dans ce type de voix, vous l'utiliserez généralement pour déclencher une enveloppe ou comme simple commande on-off d'une note. Je l'utilise ici en conjonction avec une enveloppe ASR qui ouvre et ferme la fréquence de coupure de ce filtre passe-bas. La mode wheel est affectée à CV3. Cela enverra une valeur entre 0 et 5 volts selon la position de la molette de modulation sur votre contrôleur MIDI. Si vous n'utilisez que la MPCX comme séquenceur, vous pouvez utiliser le bouton Q-Link associé pour le contrôle de la mode wheel. On va revenir sur les Q-Links. Dans ce patch, j'ai la mode wheel qui contrôle un vibrato via un LFO et un VCA. Lorsque je tourne vers le haut la mode wheel, le VCA s'ouvre permettant au LFO de passer à travers et d'affecter la valeur de l'oscillateur. Peut-être que vous voudrez l'utiliser pour contrôler le dosage d'un effet ou introduire un peu de FM ou tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, la vélocité est assignée au port CV4. Cela vous donnera une tension entre 0 et 5 volts selon la force de frappe du pad ou des touches. J'utilise cette tension avec le VCA pour contrôler le volume de l'oscillateur avant qu'il n'atteigne le filtre. Vous pouvez également définir ici le comportement prioritaire de vos notes. Vous avez le choix entre la plus haute, la plus basse et la dernière. Je choisirai la plus basse parce que c'est comme ça que mon synthé préféré se comporte. Si nous regardons la grille, vous pouvez déjà voir comment j'ai programmé quelques notes. Pas mal, mais j'aimerais supprimer l'automation de la mode wheel que j'ai enregistrée. Je peux le faire en appuyant sur le bouton d'effacement et en sélectionnant l'automation sur l'écran tactile. Maintenant, nous pourrions créer une autre piste CV et lui assigner ses 4 attributs de piste aux sorties 5 à 8, mais je vais construire sur ce patch. Les boutons Q-Link sont une autre façon de manipuler les CV. Ils peuvent être utilisés en conjonction ou indépendamment des commandes basées sur la piste. Ce qui signifie que si j'ai réglé le port Mode Wheel sur la sortie 3, je peux utiliser à la fois la molette de modulation et le bouton Q-Link 3 pour affecter simultanément la sortie 3. En appuyant sur le bouton de programme au-dessus des boutons Q-Link, on peut voir que les 8 premiers boutons sont affectés aux 8 sorties CV. Nous obtenons également une lecture de nos valeurs de Q-Link. Je vais utiliser les sorties 5 à 8 pour contrôler et automatiser certains paramètres de notre patch actuel. J'utilise les sorties 5 et 6 pour l'attaque et le decay de mon enveloppe. Mon
Mon oscillateur sort à la fois le principal et le sous-oscillateur. Je vais donc utiliser les sorties 7 et 8 pour contrôler la coupure de chaque canal de mon mélangeur qui est actuellement en mode filtre passe-bas. Ça me permettra de contrôler et d'automatiser la tonalité de mon oscillateur. Enregistrons un peu d'automation. Voilà qui est fait, un patch basique type East Coast avec un peu d'automation. Faisons preuve d'un peu de créativité avec un nouveau patch et essayons un peu l'échantillonnage. Cette fois, on va essayer quelque chose de différent. Je vais utiliser un bouton Q-Link pour créer une mélodie et l'échantillonner pour l'utiliser comme clip. Dans ce patch, j'ai un quantificateur, un oscillateur, un gate passe-bas, un VCA et une enveloppe. Pour nos attributs de piste, nous utiliserons la sortie 1 pour le gate et la sortie 4 pour la vélocité. Les sorties sont configurées comme suit. La sortie 1 est notre gate, qui déclenchera l'enveloppe et déclenchera une nouvelle note sur le quantificateur à partir de son entrée CV. La deuxième sortie va vers l'entrée CV du quantificateur. C'est la tension qui va créer notre mélodie. La sortie 3 contrôle le decay de notre enveloppe. La sortie 4 est notre vélocité, et les sorties 5, 6 et 7 contrôlent certains paramètres de l'oscillateur. Je vais commencer par créer des événements sur le step sequencer. J'utilise une séquence de 16 pas pour plus de simplicité, mais vous pouvez avoir autant de mesures que vous le souhaitez. La fonction full level est engagée, donc tous les pas sont entrés avec la vélocité maximale, mais je peux ajuster la vélocité de chaque pas pour donner un peu de vie à notre séquence. Je vais enlever quelques événements ici, pour obtenir un motif intéressant. Je peux ajuster le decay de l'enveloppe pour ajouter un peu plus de groove au motif. Personnellement, j'aime bien le hasard quand je crée des mélodies. La beauté dans cette configuration, c'est que le motif de la mélodie est déterminé par le step sequencer, et les notes sont générées en tournant le bouton Q-Link. Comme je l'ai mentionné, j'ai lié les Q-Link 5, 6 et 7 à certains paramètres de mon oscillateur. Je vais automatiser ces paramètres. Maintenant que j'ajuste le decay, vous pouvez aussi entendre des changements de tonalité intéressants. Je peux automatiser le decay si je le veux, et brouiller un peu la mélodie. Une option maintenant serait d'utiliser l'automation pour enregistrer une mélodie, mais à la place, je vais jammer un peu et l'échantillonner. J'ai maintenant la possibilité de récupérer les morceaux que j'aime et de les arranger après. Je peux prendre une poignée de boucles de 4 ou 8 mesures et les charger dans le lanceur de clip ou les découper sur les pads. Une fois que j'ai fait cela, je suis libre de démolir ce patch, de construire autre chose, d'échantillonner, de rincer, de recommencer. J'ai choisi 3 sections différentes de 4 mesures chacune pour mon échantillon. Je les ai chargées dans le lanceur de clip. Je peux maintenant sauter d'avant en arrière entre les morceaux préférés de mon échantillonnage.
j'ai un morceau de batterie prêt à partir. Je vais l'ajouter et voilà. Ceci conclut notre démonstration de CV. Si vous souhaitez en savoir plus sur le workflow MPC, je vous encourage à consulter notre page YouTube. Merci de nous avoir regardés.